Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, test rapide du Xiaomi Redmi Pro que voici en version argent, enfin en couleur argent plutôt. Il existe trois couleurs pour ce téléphone là, argent, gris, sachant que gris vous aurez la façade en noir, donc l'argent en blanc, et or avec la façade en or. Voilà, en couleur or plutôt, pas en or non. Téléphone acheté sur Xiaomi France, donc 220 euros. En version 3 Go plus 32 Go de ROM et le Helio X20, et vous avez ensuite la version au-dessus, une version avec 3 Go de RAM, enfin toujours 3 Go, 64 Go de ROM, et on passe au processeur Helio X25, et encore une version au-dessus où là c'est 310 euros, la version la plus haut de gamme, à 4 Go de RAM, 128 Go de ROM, et on est toujours sur le Helio X25. Voilà, donc vous avez le lien dans la description sur Xiaomi France. Je vous recommande d'acheter sur Xiaomi France parce que vous aurez la ROM officielle EU, donc la dernière version MIUI 8, sur Android Marshmallow en français, enfin, en toutes les langues. Voilà. Donc téléphone qui tourne sous MIUI 8, dernière version de la ROM Xiaomi. Si vous voulez aller voir toutes les options, vous avez notamment un mode lecture, quelques modes pas mal. Il faut savoir qu'il n'y a pas de terroir d'application, il y a pas mal de thèmes. Si vous voulez voir plus d'informations, regardez le test complet. Je reste un peu plus longtemps là-dessus. Voilà, donc on va passer au design. Donc design arrière tout en aluminium, les deux capteurs. Alors voilà, premier téléphone Xiaomi avec double capteur photo. Appareil photo 13 mégapixels Sony IMX 258. Appareil photo 5 mégapixels Samsung. Dual flash LED double température. Le logo Mi. Voilà, le petit bout de plastique blanc pour faire passer les ondes. Sur le côté droit, bouton volume plus moins. Bouton power. Sur l'autre côté, vous avez les emplacements SIM. Alors, vous avez soit vous mettez double SIM, donc micro SIM plus nano SIM, soit vous faites micro SIM plus micro SD. Voilà, donc vous avez un choix à faire là-dessus. Après, c'est en fonction de la mémoire que vous prenez. Voilà. Ensuite, en haut, vous avez la prise jack, le petit micro quand vous faites un appel, ça va enlever les bruits ambiants. La petite LED infrarouge. Ensuite, en dessous, nouveauté sur la gamme Redmi, c'est le premier téléphone Redmi de Xiaomi à avoir le port USB type C. Alors, c'est un port USB type C 1.0, donc c'est du 5 gigabits par seconde. C'est pas du 2.0 en 10 gigabits par seconde, mais bon. Le micro il se trouve ici, l'haut-parleur ici. Ensuite, vous avez un haut-parleur en appel, le capteur de luminosité, l'appareil photo 5 mégapixels, la petite LED qui se trouve juste ici. Bon, je vais pas pouvoir la montrer, mais bon. Ensuite, là, c'est le bouton Home qui fait aussi office de bouton physique et capteur empreinte digitale. Ensuite, vous avez les petites LED, là, c'est les boutons retour, menu. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez toujours choisir lequel fait retour et menu. Voilà, en fonction de votre utilisation. Ensuite, pour la vidéo, vous avez une petite vidéo qui est en 4K de base, mais comme c'est un écran 5,5 pouces Full HD, alors ce n'est pas de LCD IPS, mais de l'OLED. Oui, vous avez bien entendu, de l'OLED, un écran OLED sur un téléphone à 220 euros, ok. Écran OLED, image de dingue. Alors là, je filme avec le Sony Xperia M5, donc vous pouvez pas voir avec vos propres yeux, mais c'est juste magnifique. La luminosité en intérieur, ça vous pète les yeux. Donc à l'extérieur, la luminosité à fond, c'est on voit très bien, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Voilà, donc écran magnifique, contraste infini, couleur qui pète. Vous pouvez toujours aller dans les paramètres affichage, contraste et couleur et contraste, et mettre chaud, froid, etc. Augmenter le contraste, tout ça. Je rappelle quelque chose là, les bandes noires que vous voyez défiler,
C'est à cause de la caméra, enfin, du téléphone là plutôt particulièrement. C'est que c'est un écran OLED et du coup, quand vous filmez avec votre téléphone ou avec une autre caméra, normalement ça voit le rafraîchissement. C'est pour ça que vous avez ces lignes qui passent. Sachez qu'en réalité, vous n'avez vous voyez aucune ligne. Voilà, on va passer à la partie batterie. Là, vous êtes sur une batterie de 4050 mAh, une grosse batterie. Donc, je vous rappelle, vous avez une épaisseur de 8,2 mm d'épaisseur pour une batterie de 4000 mAh sur un 5,5 pouces, c'est plutôt pas mal. Alors, l'autonomie, à peu près 2 jours d'autonomie en utilisation intensive avec la Wi-Fi, vous avez 2 jours. En 4G en utilisation modérée, vous avez 2 jours. En 4G en utilisation intensive, vous avez 1 jour et demi. Ensuite, si vous faites l'utilisation modérée sans la Wi-Fi, sans rien du tout, vous dépassez les 2 jours. Voilà, voire 3 jours, si vous y arrivez, en faisant vraiment pas grand-chose. Donc, très bonne batterie. Je vous rappelle un truc, vous avez un chargeur fourni de 2 ampères, 5 volts 2 ampères. D'après Xiaomi, on n'a pas de charge rapide, mais ça charge quand même très vite pour une batterie de 4050 mAh. En 1 h 30, 2 heures, vous avez fini de charger le téléphone. Voilà, de 0 à 100, c'est quand même plutôt rapide pour une batterie de 4000 mAh. Donc, il est 4G, Wi-Fi, AC, même la Wi-Fi AC, Bluetooth 4.1, 4G. Alors, il n'y a pas la bande 800. Donc, si vous êtes chez SFR, vous ne capterez jamais la 4G ce téléphone-là. Je vous conseillerais si vous êtes chez SFR, ben, c'est mort quoi. Enfin, vous aurez la 3G. Voilà. Alors que la 4G aujourd'hui commence vraiment à être énormément développée dans les villes. Maintenant, on capte la 4G partout. En campagne, on capte même dans les petites villes en campagne, on capte la 4G maintenant. Moi, je suis chez Free, je capte la 4G dans les petites villes. En campagne, c'est. Voilà quoi. La 4G, aujourd'hui, elle arrive vraiment partout. Donc, il faudrait vraiment pas s'en passer. Enfin, éliminer ça, voilà. Donc, si vous êtes chez Bouygues, Orange, Free, ça marchera nickel. Voilà. Donc sachez que sur le réseau SFR, ça sera la 4G, c'est mort. Voilà, c'est à peu près tout pour tout ce qui est antenne, GSM, etc. On va passer au processeur. Donc, je vais lancer Asphalt Extrême. Alors, justement, vous avez un mode dans les paramètres batterie et performance. Vous avez depuis pas mal de versions de Mi 8 maintenant, un mode équilibre et un mode haute performance. Voilà. Un mode haute performance. Et en fait, le mode équilibre, ça va vous limiter le processeur pour qu'il évite de chauffer, qu'il consomme trop de batterie. Même si, sachez que le Helio X20 ne chauffe vraiment pas beaucoup. Voilà, c'est l'avantage. Et en mode haute performance, bien sûr, vous aurez vraiment de la performance, comme son nom l'indique. Après, bien sûr, si vous prenez la version avec 64 Go avec le Helio X25, vous aurez vraiment des performances au top. Vous allez voir, là, je suis en graphisme au maximum. Et alors, donc, comme vous pouvez le voir, le jeu étant magnifique. Voilà. On ne peut pas régler la qualité graphisme. Plus haute. Alors, c'est vrai que c'est pas très agréable de jouer qu'en film. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est très fluide. Alors là, je suis en mode équilibre, donc en mode haute performance. Ah, ça va être pas mal. Voilà. Donc les jeux, bah, le X20, ça suffit pour jouer. Après le X25, là, ça va être vraiment, vous commencez à avoir un téléphone très très performant. Voilà. Donc le jeu, c'est le top. Vous n'aurez aucun souci.
Appareil photo, donc l'application appareil photo, je vais vous montrer à quoi servent les deux appareils photo. Donc là, on a le Sony, le Samsung. En fait, le Sony va faire le focus de près et le Samsung va prendre une photo avec le focus de loin. Et donc, je lance l'application. Là, je suis dans l'application photo. Je clique sur le petit logo ici. Et là, ça lance les deux appareils photo. Là, je peux régler la netteté. Et là, je fais l'autofocus sur la tête ou dans un autre endroit. Voilà. Donc la photo est prise. Je clique sur la photo. Chargement de la double photo. Voilà, on attend. Ensuite, vous cliquez ici sur le même logo que pour lancer les deux appareils photo. Vous arrivez dans ce menu, vous pouvez toujours changer la netteté. Voilà, c'est bon, ça marche. Voilà, donc tout est flou. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est choisir où vous voulez que ça soit net. Donc c'est vraiment, ça sert à ça, ce double capteur sur ce téléphone. Donc pour prendre un portrait, c'est vraiment, vraiment pas mal. Hop là, donc cette photo là c'est ok. Je vais vous montrer une photo de dehors. Ça ressemble à quoi? Alors, donc en plein jour là c'était le matin. Donc comme on est en hiver, voilà, c'est pas très lumineux. Voilà à quoi ça ressemble. Le petit lampadaire, on le voit quand même plutôt pas mal. Et en fait, il est juste ici là, le petit lampadaire tout au fond. Est-ce qu'on voit les oiseaux? On n'avait peut-être pas à ce moment-là. Donc voilà, donc là, en plein jour, on peut zoomer plutôt pas mal. Le 13 mégapixels vraiment passe vraiment très bien. La qualité photo est pas mal. Après, c'est vrai qu'on est en hiver, donc l'humidité n'est pas très forte. Voilà. C'est photo en plein jour, à l'intérieur, c'est pas mal. Flash LED est très performant. J'ai pas montré dans le test complet ce que ça donnait. Ah, ça pète les yeux, hein. C'est pas trop regarder. En vidéo, vous regardez la vidéo de déballage ou du test du Lenovo Moto G4 Play et vous aurez le rendu de la caméra. Et après, voilà, c'est vraiment fluide en Full HD 30 images par seconde, ça marche très bien. Donc Full HD 30 images par seconde maximum. Là, il n'y a pas de 4K, il n'y a pas de Full HD 60 images par seconde, c'est 30 images par seconde en Full HD, point. Voilà, donc ça peut suffire pour ceux qui ont un écran 4K chez eux. Voilà quoi, vous pourrez vous serez limité à la Full HD. Voilà, c'est à choisir. Du coup, la qualité photo, bah, très très bonne, et la qualité vidéo, très fluide. Après, bien sûr. En faible luminosité, c'est loin d'être le meilleur. Ensuite, je vous ai montré les jeux. Je vous ai pas montré la musique. Là. Tac, je vous montre la vidéo de Battlefield 1. Le son pour je vous montrer ce que ça fait. Donc je montre le son. Donc la qualité sonore est c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça fait un bon son fort, puissant, on entend bien tout. Ça grésille pas. C'est pas criard, donc c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment. Enfin c'est grave comme son. Et voilà. Bon son. J'ai même pas testé. Avec un casque. Apparemment, dans d'autres tests de ce téléphone-là, ils disent que c'est pas mal. Bon, après, moi, j'écoute pas trop de musique avec mon téléphone. Et voilà. C'est à peu près tout. Donc, je vais passer à la conclusion. Ce téléphone-là, je vous le recommande. Pour 220 euros,
dans la version que j'ai. Ensuite, il y a une version à 280 euros en 64 Go et une version à 128 Go à 310 euros sur Xiaomi France. Et sur Xiaomi France, l'avantage c'est que vous avez en version EU, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'avez en version internationale et vous pouvez faire la mise à jour OTA de la ROM Mini. Voilà, donc c'est l'avantage de ce téléphone-là. Les inconvénients, je dirais son design, pas du tout original. C'est le même design qu'un Redmi Note 4. Enfin, c'est le même design. Ça ressemble beaucoup. Voilà, après c'est à vous de choisir si vous préférez avoir un design original. Il y a les plus hauts de gamme avec un design plus poussé. Là, c'est déjà c'est l'entrée de gamme au niveau de du design qui est pas trop recherché. Voilà, donc téléphone que je vous recommande absolument. Prochaine vidéo, l'imprimante 3D. Je ferai une présentation. Si vous voulez avoir une. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous pour avoir la petite notification comme quoi la vidéo est sortie. Et après, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours me laisser un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire, si vous avez une question particulière, posez-la, hein, je vous répondrai. Et après, bien sûr, si vous n'avez pas vu le test complet, allez-y, c'est un test beaucoup plus poussé. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!